One Hand Design, c'est l'entreprise de Rami Webb. Le jeune homme a été victime d'un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé en partie hémiplégique. Il a perdu l'usage d'une main. Aujourd'hui, son objectif, c'est de fabriquer des objets qui facilitent son quotidien et celui d'autres personnes handicapées. Rencontre. On me disait, tu ne peux plus parler, d'accord. Tu ne peux plus jouer de la guitare, d'accord. Tu ne peux plus jouer aux jeux vidéo. J'ai dit non, c'est trop. Il fallait que je trouve un moyen pour que ce soit possible de jouer à la fois, que je reprenne au moins ça. Et c'est fait. À 20 ans, Rami Webb a perdu l'usage de sa main après un AVC. Pas question de devenir dépendant pour autant. Manette de console à une main, porte-carte, coupe-ongle. Il crée lui-même des objets pour faciliter son quotidien. J'ai qu'une seule main. Et avec le boom. Ancien élève en école d'ingénieur, il modélise tous ses précieux gadgets depuis son salon. Là, je suis en train de faire un décapsuleur une seule main avec le logiciel d'impression 3D. Je le transfère sur l'imprimante 3D et l'imprimante me le fait en vrai. En quelques clics, le décapsuleur prend déjà forme dans son imprimante 3D. Aujourd'hui, Rami Webb en a fait son métier. Il vend tous ses produits sur Internet. Derrière l'aspect pratique, le jeune homme veut délivrer un message d'espoir avec ses inventions. Il ne faut pas lâcher, j'ai eu un AVC, c'est pas grave, j'en ai fait une force. Il y a toujours un moyen de pallier ce qui vous manque. Cet inspecteur gadget en herbe ne perd jamais son optimisme ni son sens de l'humour. Une main perdue, 10 heures de retrouver. Je sais pas.